Vendredi 27 juillet, de grosses intempéries ont eu lieu en Île-de-France. L'orage a fait tomber plusieurs arbres, laissant des dégâts conséquents, notamment constatés au parc départemental du Rancy. Vers 18h40, on était bloqués. Et là, ça a commencé l'orage vraiment. J'étais avec un collègue et j'avais vu une maman avec deux enfants. On l'a fait sortir. J'ai fait le tour dans tout le parc pour voir s'il n'y a pas de blessés, s'il n'y a pas de quelqu'un dedans. Et j'ai fermé tout le parc. Vers 18h10, 18h15, c'est là mon chef il est arrivé. Quand il est arrivé, c'est là qu'il a découvert le dégât de parc. Ça fait près de 20 ans que je travaille sur le parc. C'est la deuxième tempête, après celle de 1999. En 1999, nous avions eu un mois d'intervention sur le parc. Cette année, peut-être trois semaines. Nous coupons tout ce qu'il y avait au sol, nous mulchons avec un broyeur, nous récupérons les matériaux. C'est la nouvelle forme aussi d'espace vert. 125 arbres ont été impactés. Le parc sera exceptionnellement fermé durant l'opération de remise en état, nécessaire pour la sécurité et le confort des visiteurs.